Alors les lions, je suis très contente parce qu'on a la planète Jupiter qui est la planète de la chance, de l'expansion, qui se trouve dans le signe du Sagittaire. Donc vous les lions, vous allez en bénéficier. Donc c'est une période de chance dans la maison 5, le secteur de l'amour et des enfants. Donc c'est une période d'ambition, des ambitions qui se concrétisent, des projets qui prennent vie. La vie va ressembler à un jeu et vous allez avoir envie de bouger. Alors c'est une mais il y a un mais. C'est-à-dire qu'à partir du 7 mars, on a la planète Uranus, la planète explosive qui va se trouver dans le signe du taureau. Et évidemment, elle va être en carré avec votre soleil. Ce qui veut dire, et surtout pour le premier décan, donc attention, vous allez avoir envie de tout bouleverser et il faudra faire ça, il faudra faire attention de ne pas trop... de ne pas vouloir aller trop vite. Attention à trop d'inattendus. Deuxième décan, vous allez être très aidé et vous allez pouvoir concrétiser vos projets parce qu'on a Jupiter qui va être en trigone avec votre soleil. Donc des projets sur le plan amoureux, vous allez avoir envie de passer à la vitesse supérieure. Le troisième décan, c'est la même histoire. Votre champ d'action va vraiment s'élargir. Alors sur le plan professionnel, on peut dire que Jupiter va vous redonner le sourire, que les portes vont s'ouvrir et... mettez-y le paquet en début d'année, janvier-février, surtout le troisième décan qui va être aidé par la planète Uranus en bélier, qui sera rétrograde, elle va reculer. Donc, c'est un besoin de changement. Sur le plan financier, je dirais que c'est plutôt sympathique en début d'année, top en début d'année, possibilité d'augmentation. Sur le plan amoureux, il y a des risques de passion, mais un peu aveugle. Attention à la jalousie, surtout à partir du 7 mars, quand Uranus va rentrer dans le taureau. Vous allez être exclusif, excessif, les lions. Et alors, pour garder le sourire, mon conseil, c'est de faire du sport pour pouvoir évacuer le stress et aller dans de grands espaces, besoin d'air. Hein. Uranus en bélier en début d'année peut vous rendre assez nerveux, mais en même temps, la planète Jupiter va vous apporter de très bons aspects en trigone, va vous amener un côté enthousiaste et vous allez avoir un côté plus spirituel avec un besoin de bien-être. Alors je dirais que de toute façon, quel que soit votre signe, vous savez très bien que les bonnes ondes sont contaminantes, contagieuses. Donc soyez contagieux. Comment ? Eh bien, en ayant un peu plus de bonne humeur, de joie de vivre, un sourire ouvre toutes les portes. Et plus vous serez souriant, et plus vous avez de chance finalement de transformer une année quelquefois un peu compliquée en une année d'ouverture, de remise en question pour évoluer. Parce que l'intérêt de notre vie, si on est sur Terre, c'est quand même pour grandir et pour avoir un niveau de conscience toujours un peu plus élevé. Voilà, et je vous souhaite une belle année à vous tous.